Mais maintenant, je donne tout d'abord la parole à Jade, notre correspondante sur place. Bonsoir Jade. Bonsoir, Justine. Alors, vous êtes pour nous au pavillon Chesnay du parc floral de Paris où se déroule la soirée électorale de la candidate Marine Le Pen qui est maintenant au second tour de l'élection présidentielle. Quelle est l'ambiance sur place? Les partisans de Madame Le Pen sont-ils satisfaits de ce résultat? Oui, alors évidemment, hein, vous ne les voyez pas, mais moi je suis à quelques mètres d'eux et c'est l'euphorie. Je viens de les entendre exploser de joie à l'instant à l'annonce de ces résultats. Des résultats qui confirment hein, tout simplement les sondages qui avaient été donnés jusqu'à présent, avec même peut-être une plus grande avance pour le président actuel Emmanuel Macron que ceux qui avaient été annoncé au préalable. Mais comme vous le rappeliez il y a quelques instants, tout ça ne sont que des estimations, hein, n'est-ce pas? Et même si elles sont très fiables, elles devront être confirmées lorsque le dépouillement sera totalement complet. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Jade. On peut entendre en fait l'acclamation derrière vous. Je pense que les partisans de Marine Le Pen sont très contents aujourd'hui. Merci beaucoup, Jade.